Hola. Allô. Yo. C'est Mucho. C'est l'heure du tuto. Comment jouer? Donc pour que ce soit plus simple, on va faire en fait une petite chasse au trésor contre la petite Nami. Et donc ça permettra de comprendre plus facilement. Déjà de base, il faut penser à quelque chose. Chaque personnage a sa distance de frappe, son temps de préparation pour exécuter justement ses attaques de compétences. Donc il faut prendre tout ça en compte lorsque vous jouez. Car en fait, on a vite fait de se prendre des coups. Donc là le but c'est de récupérer justement le maximum de captures de drapeaux, donc on va de tas de trésors dirons-nous tout simplement. Donc là, je vous passe les détails concernant les manipulations pour se déplacer puisque vous les avez eu au tutoriel de base. Donc là ce qu'il y a de bien c'est toujours de déplacer plus ou moins à 2 minimum. Car en étant à 2 ça permet en fait d'avoir du soutien. Donc comme je vous disais la distance voilà, il faut rester avec une certaine distance. Ne restez jamais trop près quand j'ai donné un coup car l'adversaire quand il est au sol, même si vous tapez dessus, ne recevra pas de coup. Donc autant ne pas se prendre de coup. Vous voyez, je me suis pris des coups. Donc là je vais me déplacer. Et j'utilise une aide de métal compétence pour nettoyer le passage. Ah mais il m'a empêché de me nettoyer. Celle-là passera. Et comme ça du coup on fait un coup nettoyage. Autre chose à savoir, faut savoir que les personnages on va dire peuvent se verrouiller plus ou moins automatiquement. Mais on va dire on peut les verrouiller manuellement. Pour cela en fait il faut que vous appuyez sur le personnage. Donc là souvent on va dire à cause de la caméra ben ça passe à côté. Donc là il est là-bas. Il y a la petite amie. Vous appuyez dessus et voilà vous avez vu que maintenant on a visé dessus. Donc tous les coups iront sur elle. Doro Boneko, ne t'en va pas comme ça. Hop. Et on va la terminer. Voilà, je sais, c'était méchant. Mais au moins, c'est fait. Donc, vous voyez, donc le rapport de distance, vous pouvez viser en fait les personnages directement. Enfin, cibler les personnages plutôt. Pensez bien toujours à jeter un coup d'œil au niveau de votre écran, au niveau. Des captures pour savoir où vous en êtes. Car chaque kill que vous faites et chaque tas de trésors que vous prenez est bon pour le groupe. Donc là ça bouge. Là maintenant on va regarder un petit peu, on va se taper un petit peu. Donc ce qu'il y a bien avec les attaques, je dis puissantes, les attaques de compétences qui sont de loin, ça te permet sûrement de faire le nettoyage et pouvoir arriver plus facilement. Donc calculez bien ce que chaque personnage a sa distance pour pouvoir en fait lancer une attaque de compétence. Je vais jeter un coup d'œil pour au cas où. Hop, on le cible et on tape. Bon, malgré ça, il faut savoir que certains personnages qui exécutent leur attaque de compétence, même si vous tapez dessus, ils l'exécuteront. Hop, comme par hasard, vous voyez. Donc on a beau, il prend des dégâts, effectivement, donc c'est pareil pour vous. Hein. Vous prenez aussi des dégâts lorsque, par exemple, vous lancez une attaque. Mais, vous arriverez à l'exécuter entièrement tant que vous restez des restes des vies. Là, j'ai pas ciblé, c'est parti à côté. Mais bon, ça suffit pour gagner. Donc voilà, là c'était pour vous donner une idée en fait de comment se passe un run de chasse au trésor. Les petits conseils on va dire à avoir, petits réflexes à avoir pour pouvoir mieux réussir. Et surtout voilà le côté de rapport de temps, distance par rapport aux attaques de compétences et même d'attaques normales. Puisque même si voilà vous le tapez, vous prenez quand même des coups. Rappelez-vous aussi que même les attaques de compétences que vous faites, que vous chargez jusqu'au bout, même si vous prenez des coups, vous prenez quand même des coups, donc votre vie descend.
Et si votre vie descend à zéro, votre attaque de compétence ne s'exécutera pas jusqu'en entier. Donc faites bien attention à ça. Information, news, avis, un petit peu ce qui se passe sur les jeux et sur la chaîne, ça se passe sur Facebook et sur Twitter à The Mushu World. Bien sûr, vous pouvez me retrouver aussi le groupe One Piece Bounty Rush FR and Global. Puisque là, je suis très fréquemment, puisque là, c'est le début, donc on lance, donc je reste bien présent pour pouvoir gérer. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec un petit côté de mouchou un peu plus intime, un peu différent du gaming, voyant un peu de choses, un peu les coulisses, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur le mouchou underscore TMW aussi. Et donc bien évidemment, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee pour pouvoir soutenir la chaîne d'une façon, soit par donnant des dons, soit tout simplement en visionnant des clips avec lesquels vous aurez le choix entre 3 clips. Donc ça aide, et c'est que de la musique sur 3 minutes. Et donc regardez et soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Sur ce, bon farm et au prochain tuto. Tchuss. Bye. Ciao. Salut. Sayonara.